Lui, j'en suis super connu. Il faut appeler les gendarmes. Dans ma maison, un assassin. Un assassin? Oh, il en est sûrement pas. C'est d'autres les assassins dans ta maison. Oui. Mais qu'est-ce qu'il faut que celui qui l'a fait? Mais je te le dis, moi, je l'ai reconnu. Il faut les dénoncer. Le dénoncer, ben, il faut quoi faire? Ben... Bon, quoi, toi, tu veux toucher ta prime, évidemment. Non, bien sûr. Oui, mais on n'a pas besoin de ça. Il veut avoir sa photo dans le journal, avec les gendarmes. C'est un boitreux, là. Enfin, tout de même, on peut pas laisser les criminels courir sur les routes. Ce serait trop facile. Trop facile de tuer quelqu'un, dit. C'est trop facile. Alexandre, oh, t'as jamais tué personne. Si, en rêve. Oh. Avec des nuisibles. Oui. La nuit, je fermais les yeux comme ça, et puis je disais, attends, celui-là, hein? Eh ben, avec une pierre au cou, là, et dans la mare, là, et flotte. Celui-là, là, avec une branche et sur le crâne, là, et flotte, là. Puis alors, je me réveillais. Et, tiens, le type d'à côté, hein, eh ben, il a peut-être tué un nuisible, lui aussi. Mais tout de même, on n'a pas le droit. Pas le droit. Occupe-toi de tes fesses, toi, d'abord. Hein. Et alors, t'es pas de ses instructions, non? Et si c'est sa mère qui l'a tué? Sa mère, face d'anchois, ben, sa mère. Pourquoi pas Dieu le Père, tant que tu y es? Trois pis, j'en ai assez. Il y a un assassin dans la maison, faut qu'il s'en aille. Oui, mais ben, la frontière est pas loin. Deux gendarmes qui s'en aillent. Deux gendarmes. L'homme dont vous parlez est là, à côté. Il dort. Si vous voulez le livrer, c'est facile. On n'a pas dit ça. On parlait. On discutait. Non, quoi. Si, moi, la je dis que... Il a tué, c'est bien lui qu'on cherche. Je vais vous dire ce qui s'est passé, en fait, comment ça s'est passé. Et si vous trouvez qu'il faut le livrer, eh ben, vous me dépendez. Sinon,